Tehilim 12, Shiur, le refroid chez les mains Aaron ben Abraham, Betor, Shear, Cholé Amecha Israël. Aussi pour le bébé, Atinok ben Aliza Rachel, Kakadosh Baruchu, Ishtachlo, refroid chez les mains, et qu'il puisse rentrer dans la Brit Mila de Avraham Avinu très rapidement. Ok, alors on rentre dans le Tehilim 12. Alors comme d'habitude, avant qu'on commence, on va expliquer pourquoi on a l'habitude de faire ce Tehilim, et ce Tehilim, il marche pourquoi ? Alors, Segula l'Amirato, Leinatzel, Minachet ou Meetzod Raot. Ce Tehilim, il est principalement pour se sauver du péché. Toute personne qui veut, qui a des mauvaises pensées, qui a la volonté de faire du mal et qui veut combattre son Yetzerara, alors en disant ce Tehilim-là, il aide son bon côté, son bon penchant, son Yetzeratov, à se battre et à l'aider à devenir une meilleure personne. C'est marqué que on peut même le dire pour quelqu'un d'autre. Exemple, on a un frère, une sœur, un cousin, un beau-frère, un ami, quelqu'un que on veut qu'il revienne à la Torah, en le lisant, alors ça peut l'aider. Aussi, c'est une ségoula pour toute personne qu'il veut gagner dans un procès. Si une personne, elle doit passer devant un procès et qu'il veut une ségoula, qu'il dise ce Tehilim 12, et avec cela, il pourra gagner dans son procès. Chez les Ashkenazim, ils ont l'habitude de dire ce Tehilim le jour de la Brit Mila. Pourquoi ? Parce qu'on va voir la Natseach à la Sheminit. Sheminit, ça rappelle le huitième, et ça rappelle la Brit Mila qui a apporté le huitième. La Gemara nous dit que David Ameler, il a dit ce Tehilim par rapport à la Brit Mila. Il y en a qui ont l'habitude de le dire le jour de la Brit Mila, au moment de la Brit Mila. Il y en a même qui ont l'habitude de le dire avant le Birkat Hamazon à la Brit Mila. Ça fait souvent, on a vu de dire Shir HaMa'alot avant de Birkat Hamazon. Alors, dans la Brit Mila, certains Ashkenazim disent ce Tehilim avant de faire la Brit Mila. Les Sfaradim, nous avons l'habitude de dire ce Tehilim pendant Shemini Atzeret, la Natseach à la Sheminit, bien sûr, parce qu'il parle de Shemini Atzeret. Alors, ce Tehilim, principalement, il parle de deux choses. Il parle de David Ameler, comme vous le savez, il avait son beau-père qui s'appelait le roi Shaoul. Et Shaoul Ameler était persuadé que David Ameler était une mauvaise personne et que David Ameler, il essayait de lui prendre son royaume. Et malheureusement, il a été entouré de mauvaises personnes, le roi Shaoul, et que le roi Shaoul, les gens ont tous dit du Lachon Hara de David Ameler au roi Shaoul. David Ameler, il va dire à combien le Lachon Hara, il va détruire sa vie. Dans le Malbim, c'est marqué dans les commentaires, comme ça qu'il ramène le Radak, pardon, il dit que ce Mizmor, il est aussi, a été écrit en prophétie, en Ruach HaKodesh, et dit Ne'emar Beruach HaKodesh Ala Atid. Il a été écrit en pensée divine, en Dakadosh Baruch Hu, Ala Dor, Shehayu Mitgabrim HaReshaim Ala Aniim. Il y a une seule chose, vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il aime particulièrement, ce qui lui fait le plus de peine, c'est quand on s'en prend aux pauvres. Aux pauvres, je dis pas comme en anglais, on dit the good guy, un pauvre. Un pauvre, c'est un vrai pauvre qui n'a pas d'argent. Déjà, le pauvre, il n'a pas d'argent. La seule chose qu'il a et qui lui reste, c'est sa dignité. Le jour où les gens mécréants s'en prennent aux gens qui n'ont pas d'argent et qu'ils essayent de leur enlever leur dignité, alors, Akadosh Baruch Hu lo aleinu velo alechem, qu'est-ce qu'il fait à ces personnes-là? Parce qu'il se venge pour pouvoir réélever un petit peu la balance entre les riches et les pauvres. Alors, David Ameler, il va principalement parler à Akadosh Baruch Hu, il va prophétiser en se plaignant quelque part des personnes qui disent du mal et des ba et la shonara. Alors, on va lire dans le verset que de Shbaruch Hu dit Oshia Hashem, Sildan Natzeach ala Sheminit, Mizmor et David. Généralement, le Sheminit, on sait, il est référence à un instrument qui a 8 cordes. Par exemple, le violon en a 4, la guitare en a 5. Et à l'époque, il y avait un instrument à cordes qui en avait 8.
Et d'après Rashi, la Natseach la Sheminit, David avait composé ce chant sur une musique qu'il fallait 8 cordes pour pouvoir juger. Oshia Hashem, David Amelech di Akadosh Baruch Hu. Oshia Hashem, sauve-moi Akadosh Baruch Hu, ki gamar chassid. À cause que tous les pieux, ils sont partis. Que veut dire tous les pieux sont partis? Toutes les personnes, principalement, d'après l'explication de Rashi, que Rashi nous dit que c'était contre les personnes qui disaient la shonara de David Amelech à Shaoul. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, toutes les bonnes personnes sont parties de ce monde et il n'y a plus personne qui est capable de dire du bien de moi à Shaoul Amelech. De qui il fait référence particulièrement? Il fait référence particulièrement à Shemuel Hanavi. On sait que le prophète Samuel a oint David et après qu'il a oint David, il est mort. Alors David Amelech dit, toutes les personnes qui étaient bonnes, toutes les personnes qui pouvaient dire du bien de moi à roi Shaoul, en faisant montrer que j'étais une bonne personne et que Dieu préserve, je ne suis pas venu pour voler le royaume de Shaoul, mais à l'inverse, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui m'a choisi, qui gama chassid, il est parti le chassid, qui passou, ils sont partis emunim, des gens qui ont la emuna, mi bene Adam. Ces gens-là, qui avaient la emuna, ils sont partis de ce monde, et malheureusement, il ne reste seulement des menteurs et des meraglim, en français, ce sont des traites, des gens qui viennent voir ce qui se passe, et après, ils viennent et ils vont raconter à Shaoul. Il dit, David Ameler, le monde est rempli d'espions pour venir chez moi, voir ce que je dis, voir ce que je fais, et de nouveau, ils repartent au roi Shaoul. Ils ont parlé d'Ibré, le parsou qui dit Shavidaberu, Pasouk Gimel, il dit qu'il parle des choses fausses de leur bouche. Ishedreu, un homme avec son ami, que d'habitude, il parle des gens, des choses simples de la vie. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent et ils racontent des mensonges. C'est fatralakot, des choses douces, ve belev, ve chenel et mavot chonim. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe? Belev, belev et daberu. Ça a l'air qu'ils disent des choses gentilles, mais par la suite, qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et ils disent du Lashon Hara. Avant qu'on continue, on va lire un morceau du Zohar. Le Zohar, par rapport à la faute du Lashon Hara, et on va extrapoler dessus. Ce Tehillim, il y a énormément à dire, et je pense que si on ne s'arrêterait pas, on pourrait commencer ce soir à 9h, et finir peut-être demain matin à 10h, on n'aurait pas encore terminé. Donc on va essayer de concentrer ce qu'on a à dire. Il dit le Zohar la chose suivante. Vechen Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar, celui qui est rentré dans le Pardès, il dit la chose suivante. Ve'ala kol mochel akadosh baruch hu. Et surtout, akadosh baruch hu, il peut pardonner. Ça veut dire un homme, il a volé, un homme, il a tué, un homme, il a menti, un homme, il a fait pas Shabbat malheureusement. Quoi qu'il a fait, akadosh baruch hu peut tout pardonner. Barat, écoutez qu'est-ce qu'il écrit, le Zohar. Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, akadosh baruch hu peut tout te pardonner, à part une seule chose. Le lachon hara, celui qui dit la médisance. Mishum shekatuv, c'est marqué dans le pasuk. Asher amru lishonenu nagbir sfatenu. Le verset il dit, on va dire avec notre bouche, dans le verset 5, qu'on va augmenter notre bouche. Itanu minadnanu ure boure kama asa oto lachon hara. Il dit, si tu veux savoir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à combien il est grave le lachon hara. Gazar à la beauté nous chez le Khan sous la Haaretz. Imaginez-vous, il y avait en sortant d'Égypte minimum 6 millions de personnes, Gaon de Minyagi, 600 000 hommes. Il y avait les femmes, il y avait les vieux, il y avait les vieilles, il y avait les enfants. Il y avait le Erevrav, minimum 6 millions de personnes. Et pourquoi ils vont être punis de rester pendant 40 ans à jouer au manège dans le désert? À cause du Lashon Hara. On met tout Elou. Et ceux qui ont le Lashon Hara, ils sont morts. Et malheureusement, chaque année, le 9 de Av, il arrive des catastrophes, destruction du premier temple, deuxième temple, inquisition espagnole, et j'en passe, tous les malheurs du peuple juif ont toujours été durant le 9 de Av. Pourquoi? À cause que le 9 de Av, dit le Zohar, la première fois que le peuple juif a dit la Lashon Hara. Kaviachol, kevan sheotziu alaretz hakedoshah, keilu hotziu alav. Comme si que malheureusement un homme qui dit du mal de Akadosh Baruch Hu, eh ben pareil,
Hachem, il a dit que ta terre Israël était belle terre. Eret, Zavat, Chalavut, Vache, une belle terre. Et eux, ils sont venus et ils ont parlé contre ta terre Israël. Du fait qu'ils ont parlé contre ce que Akadosh Baruch Hu, il appelle qui est bien, ça veut dire que tu parles contre Akadosh Baruch Hu. Biglal ze kina Akadosh Baruch Hu azé. Et ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il s'est jalousé de ce qu'ils ont fait. Ve'amdu Israël, kulam le yishamed, me'aolam, il malet et filat Moshe. Et il dit que si c'était pas qu'à Moshe Rabbeinu, il avait prié sur le peuple juif, eh ben malheureusement, Haz v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il aurait exterminé le peuple juif. Rabbi Chia Amar, le grand maître Rabbi Chia était le neveu d'un grand maître qui s'appelait Rav, s'appelait Rabbi Chia. Il a composé ce qu'on appelle toutes les braïtot. Rabbi Chia Amar, kol mishemotzi shemra. Et si tu veux savoir quelle est la faute d'un homme qui dit la Shonara, eh ben, tout son corps, il devient impur. On voit que quand un homme, il devenait tamé, qui dit la Shonara, alors qu'est-ce qu'il avait? Il avait la lèpre. Il avait la tsaraat. Et après, il devait être enfermé pendant 7 jours. Il dit, Rabbi Chia, je comprends pas. Pourquoi un homme qui a dit une parole, tout son corps, il devient tamé? Il dit, parce que le Lashonara, il impurifie l'essence de la personne. Mishum she'oto dibura olem iruach tuma alav. Il dit, c'est comme qu'il y a un vent d'impureté. Au moment où on le sort, il va englober notre corps de A jusqu'à Z. Ve'uditma, balei tame, metami moto. Il dit, qu'est-ce que tu as voulu faire? Avec ta bouche, tu as voulu dire du mal de l'autre. Tu as voulu impurifier l'autre. Tu as voulu prouver que l'autre, il est une mauvaise personne. Du fait que toi, tu as voulu rendre la personne de qui tu parles mauvaise, sur cela, Kadosh Baruch Hu, il se venge et il te donne tout ton corps, malheureusement, avec de l'impureté. Rabbi Houda, le grand maître Rabbi Houda, qui était ni plus ni moins que Rabbi Houda Nassim, Ama Katuv, Zot Tiet Torah Tametzora. Il dit, c'est marqué dans la Torah, voici la Torah de la Tzara'at. La Torah de l'homme qui dit la Shonara. Tout le monde pose la question, pourquoi ça marquait Torah Tametzora, la Torah du Metzora. On aurait dû dire Zot Halacha Tametzora. Voici les lois de Metzora. Pourquoi on emploie le mot Torah? Zot Tiet Vadai Kenedo Leipara Mimenu. Il dit, Rabbi Yehuda, parce que tu sais qu'il va se venger contre l'homme qui dit la Shonara, pas seulement ton bras, pas seulement quelque chose, mais malheureusement, Bar Minan, toute la Torah va venir se venger contre la personne qui dit la Shonara. Beyom Taorato Vouvala Kohen, Ma Balashmioni, Mashma Mi Eshlosh Nara, Tefilato En Anichneset Difne Hakadosh Baruch Hu. Il dit, le Zohar, pourquoi il avait un besoin que l'homme qui avait la Shonara de venir au Kohen, et que le Kohen devait venir et prier pour lui, pour qu'il puisse devenir Tahor et qu'il reprenne sa pureté. Il dit, le Zohar, du fait que l'homme, il avait dit des paroles médisantes sur son ami. Eh bien, vous savez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ni plus ni moins que Akadosh Baruch Hu, il n'écoute plus sa prière. Et qu'en vérité, il aurait voulu vouloir que lui, il vienne vers Akadosh Baruch Hu. Il aurait voulu que lui, il se rapproche de Dieu et qu'il puisse prier. Dit le Zohar à Kadosh Baruch Hu, il te dit que la personne qui va dire la Shonara, sa prière, elle n'est plus écoutée. Et du fait que sa prière, elle n'est plus écoutée, alors automatiquement, il a besoin de passer devant le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, il va devoir prier pour lui. Share ole orer alav ruartuma. Imaginons combien des fois on est là, on dit du mal dans notre ami. Après, on dit, je vais faire mincha, je vais faire shacharit. Et bien, malheureusement, on peut prier. Et bien, notre prière, elle n'est pas écoutée à Kadosh Baruch Hu. Kivan shechaza b'tshuva b'kibela tshuva, makatuv b'yom taorato ve'uva el hakohen. Si l'homme, il fait teshuva, alors automatiquement, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que le Kohen priera pour lui et pourra l'apporter à la teshuva. On va un peu avancer sur cette idée du Baal HaShonara. C'est marqué dans les Sfarim HaKedoshim. C'est marqué dans le verset, c'est 5, c'est marqué « Asher Amru, Lilshonenu Nagbir » comme on a expliqué. « Adam, Mendame Benafsho » Il dit « Rav Yaakov Meir Sherter » quelque chose d'extraordinaire. Généralement, il y a quelqu'un qui vous fait du mal. Okay, ça arrive. Si vous croyez que vous ne connaissez pas des gens qui vous veulent du mal, alors vous vivez dans Disneyland.
n'existe pas. Le monde, l'homme, il est rempli de monde où il y a des gens qui nous veulent du mal. Si David Amelech, le grand roi David, qui était la malchoute, on voulait du mal, c'est sûr que vous et que moi, c'est pareil. Ainsi, chacun de nous, nous avons tous nos ennemis à qui nous devons du mal. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui vient et qui veut nous faire du mal? Alors, généralement, on veut régler nos propres affaires. Comment on fait? Alors, moi, j'ai monsieur Aleph. Il me veut du mal. Alors, je règle mes propres problèmes. Qu'est-ce que je fais? Je viens et je vais parler du mal de Aleph. En parlant du mal de monsieur Aleph, alors je vais rééquilibrer les choses. Lui me veut du mal, moi je lui fais du mal, et maintenant, on a équilibré le monde. Il dit, Ha'adam et Damé Benarcho, l'homme il rêve, l'homme il fabule, que Shiatzil Atzmo Mechavrav, Dorcheraato, a aidé la Shonara. Généralement, l'homme, pourquoi il dit du mal, c'est à cause qu'il a l'impression qu'en disant du mal sur les personnes qui lui veulent du mal, alors il va se sortir du mal de son ami. Et tu voudrais gagner que l'autre ne fait pas du mal à travers, en disant du mal. Il dit ce principe de croire qu'on peut régler le mal avec le mal, c'est parce qu'on a oublié une seule chose, qu'il y a Kadosh Baruch Hu. David HaMelech, il écrit dans Tehilim et il dit, Asher Amrou, ceux qui ont dit, l'ilchonenu à notre bouche, nagbir sefatenu, on va augmenter nos paroles, itanu minadonanu. Eh, medaiminin, shaedea dibou la shonara, yuchu netzach et abar puktachelo. Ceux qui pensent qu'à travers la médisance, on va venir et on va faire tomber. Exemple, il y a un homme, il me veut du mal. Alors lui, il parle de moi. Est-ce que tu penses qu'en parlant de lui, tu vas régler le problème? Ça, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que véritablement, à travers une avéra, à travers la médisance, tu vas récupérer le bon? Ça marche pas comme ça, la vie. L'homme, il a qu'une seule et unique façon de pouvoir s'en sauver. Quand un, vous avez un ennemi, quand vous avez une personne qui vous veut du mal, si vous pensez qu'en faisant du mal, vous allez régler votre problème, vous allez avoir le problème de la personne et votre problème. Le problème de la personne qui vous veut du mal, il va pas partir. Et que vous, maintenant, vous allez devenir encore une mauvaise personne. Parce que maintenant, vous êtes Mekoulal Bachem. Parce que maintenant, quand vous allez prier, vous allez demander à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, aide-moi, parce que mon ami me veut du mal. Et bien, malheureusement, comme on avait dans le Zohar de Rabbi Houda, à Kadosh Baruch Hu, il n'écoute plus votre prière. Tu dis, mais pourquoi? Eh bien, parce que tu as dû la Shonara. Alors, comment on peut s'en sortir? La seule et unique façon, Shuv ve'asog batora. Il dit la seule et unique façon, c'est quand l'homme, on lui veut du mal, il faut avoir des forces. D'où on va récupérer cette force pour ne pas que la personne, elle me veut du mal? C'est en augmentant mes armes. Ça veut dire, quand on a un ennemi, comment j'arrive à faire peur à mon ennemi? Eh bien, en augmentant mes armes. Je m'arme beaucoup plus fort et je deviens plus fort. C'est quoi l'âme de la personne? C'est quoi les armes de la personne? Les armes de la personne sont uniquement à travers les limous de la Torah. Quand l'homme il étudie la Torah, alors il se renforce. Il devient une personne saine. Il devient une personne kedusha, une personne terora. Il devient automatiquement une personne invincible. Az tirem. Quand Akadosh Baruch Hu va voir que toi tu ne vas pas parler de mal, que toi tu vas dire bon, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose c'est quoi? Me renforcer de ma Torah, alors automatiquement tu vas venir et tu vas pouvoir arriver. On raconte qu'il y avait un jour, il y avait une réunion entre deux grands chefs de la Torah, le parti du leader chassid, qui était le Beth Israël, le Rabbi de Gour, et il y avait le Rav Shach, qui était le parti d'Egel HaTorah, ce qu'on appelle du Olam HaYeshiva, les Litaïm. Donc il y avait ces deux groupes chassidiques et le groupe anti-chassid, qui est dans une réunion, de comprendre et d'avancer dans le peuple juif. Et ils se sont déchirés. Dans la réunion, vraiment, ils se sont parlé durement, bien sûr, pour la Torah, mais ils se sont parlé vraiment avec difficulté. Le Rav Shach, à la fin de la réunion, il est parti, il repartait sa yeshiva à Ponyovitch. Le Beth Israël, il a dit à son élève, va vite à Bnei Brak et je te demande que tu vas voir comment va le Rav Shach. Le Rav Shach est un homme âgé et il faut à tout prix que sa santé,
elle ne soit pas touchée à travers la discussion houleuse que nous avons eue. Alors, l'élève est parti à Bnei Brak et il est arrivé à la Yeshiva de Ponovitch et il a vu le Rav Char devant une Gemara en train d'étudier. Alors, il a pris vite le téléphone, comme le rabbi lui a dit, et dit, qu'est-ce qu'il fait le Rav Char? Et dit, le Rav Char, il est en train d'étudier la Torah. Alors, le Bet Israël, il a dit, sûrement que Rav Char avait dû avoir raison, je vais réviser mon point. Il dit, si un homme, il s'est tellement fâché, mais après qu'il s'est fâché, il est capable de revenir à étudier la Torah, ça veut dire que dans lui, il n'y a que de la vérité. Alors, je vais de nouveau réfléchir à ce que le Rav Char, il a dit, peut-être qu'en vérité, il avait raison, parce qu'avoir cette force de repartir à la Torah, c'est seulement un grand homme qui peut l'avoir. Ça veut dire que quand on veut nous faire du mal, on doit s'armer. Et l'unique arme que nous avons, c'est à travers l'étude de la Torah. Ve'ezir chilouf gadol na'ase ba'olam. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? C'est le monde de la guerre. Dès qu'il y a un qui dit A, l'autre il dit B, l'autre il dit C, et on va pas s'arrêter. Et les médias sociaux, et on se déchire avec ce qui arrive. C'est marqué que la Torah, malheureusement, oy la em la briot mi elbona shel Torah. La Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu dit malheur au monde de la honte de la Torah. L'homme, par rapport à travers tous les animaux, toutes les créatures que Akadosh Baruch Hu a créées, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les fleurs, les animaux, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a donné de particulier à l'homme qui est donné à personne? Chachamim nous disent, et on ne sait pas si c'est pas difficile à comprendre cela, la seule et unique chose que nous avons de supplémentaire, c'est la parole. La parole, c'est ce qui nous différencie de toutes les créatures qui ont été créées de Hakadosh Baruch Hu. Il n'existe pas une planète qui parle, il n'existe pas un océan qui parle, il n'y a pas un coucher du soleil qui parle. Pourtant, c'est magnifique, mais ça ne parle pas quand même. Rien dans ce bas monde, il va prier. Adavar gadol hameoulé bioter shebabria. Il n'y a rien de plus grand dans la création du monde que la parole à Kadosh Baruch Hu a donné. Et à la place de prendre ce cadeau avec nos deux mains et d'en faire de la gagne dans notre cœur et de ne pas l'utiliser pour rien, on prend ce cadeau extraordinaire qui s'appelle la parole et on parle de bêtises. Imaginez-vous quelqu'un, vous lui offrez un beau cadeau, vous lui offrez un beau costume, vous lui achetez une belle robe, un beau diamant. Imaginez-vous votre mari vous fait le plus beau des cadeaux, il dit voilà chérie, c'est que tu as envie, j'ai économisé pendant 30 ans de mariage, je t'achète un 3 carats de diamant serti de pierres précieuses. Et la femme elle fait la vaisselle, crac, crac. Le mari va devenir folle, devenir fou, il dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es devenue folle, je t'ai acheté un cadeau, ça me prend 30 ans pour te le payer, et toi tu fais la vaisselle, tu fais pas attention à ta bague. Kamouvan, bien sûr que la femme, elle doit prendre le respect, c'est pas normal par rapport à son mari. Et ça, c'est que là, c'est rien, c'est que du matériel. L'inverse, la parole. La parole, chaque fois que vous parlez, vous êtes supérieur à toute la créature de l'univers. Chaque fois que vous utilisez votre bouche, vous mettez en position supérieure à toutes les créatures de Hakadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette parole? Une bêtise. Et une autre bêtise, et une autre bêtise, et on n'arrête pas. On prend ce beau cadeau et on le met dans la boue, on le met dans les toilettes, on le met dans les égouts, et on s'assure bien de bien le salir, le cadeau que nous avons reçu d'Akadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un homme que vous donnez $1 milliard. Ouais. Alors lui, il peut venir maintenant, il était pauvre, il n'avait rien, il avait des dettes. Paye tes dettes que tu as, achète-toi une maison, achète-toi une cravate, achète-toi une paire de lunettes, achète-toi ta kippa. Devient un homme riche. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce milliard de dollars et à la place de payer ses dettes, il va au casino et il commence à dépenser comme un idiot. La personne qui donnait le milliard de dollars, il va devenir fou. Il dit, moi, je tenais une chance dans ta vie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait avec cela? Tu as tout perdu. Eh bien, c'est exactement cela. Qui as lo zu bilvat shumone atzaniflam me atzmo areugam evayeshte yadid achafetz betovato. Quand tu prends ce milliard, c'est que tu vas déshonorer ton ami qui t'a donné ce cadeau. Pareil, quand on prend la parole et on s'en sert de façon négative, alors non seulement on est bête parce qu'on perd notre temps, mais aussi on va faire honte à Akadosh Baruch Hu. Que Akadosh Baruch Hu nous a donné le plus grand des cadeaux. Et ce cadeau, à la place de s'en servir correctement,
on le prend et on va lui faire honte. Hashem Yitbarach, Natananot Torah, Akadosh Baruch Hu Torah, la Sainte Torah. Et chacun de nous, il doit essayer par tous les moyens d'étudier encore un peu, encore un peu. Un jour, il y avait mon beau-père, Rabbi Ben Oliel, il m'a raconté, il me disait que chaque semaine, il mangeait le pain d'un tel, d'un monsieur particulier. Alors je lui ai demandé, papy, pourquoi vous mangez le pain dans telle boulangerie? Il m'a dit, regarde mon fils, tu sais, ce boulanger, lui, c'est pas un grand ami de Chacham, mais il connaît le Sefer Tehilim par cœur. Et quand il arrive le matin, dès qu'il ouvre le magasin, il commence. Il fait le premier Tehilim. Quand il arrive au Perek 5, il met la farine. Après, il arrive au Perek 6, il met l'eau. Il arrive au Perek 7, il met la levure. Après, il enclenche la machine. Quand il arrive au Perek 12, alors il commence à mettre telle chose. Quand il arrive au Perek Kaf, il éteint la machine. Quand il arrive au Perek Noun, alors il sait que la pâte, elle a monté. Quand il arrive au Perek 100, il est en train de faire le pain. Il le met au four. Et quand il finit Tehilim, le pain, il est terminé. Il m'a dit, mon fils, ce monsieur, quand tu manges du pain de chez lui, tu manges pas du pain. Tu manges du lechem apanim. Ça veut dire quoi? Il y a un homme, il peut travailler dans une boulangerie. Mais dans la boulangerie, il peut écouter le journal, il peut écouter Picsou, il peut écouter Tintin, je sais pas, chacun avec ses bêtises qu'il veut écouter. Ou il y en a un homme, il va venir et il va réciter le Tehilim. On peut apprendre chacun de nous. On n'a rien à faire. Apprenons un verset de Tehilim. Un Perek, une Mishnah dans Pirkei Avot. Chaque fois qu'on n'a rien à faire, alors on va répéter ce Tehilim. Il nous dit le Noam Elimelech. Combien de mitzvot une personne, elle peut faire sans rien faire? Un homme, il attend le bus, il peut être mekayem des dizaines de mitzvot. Il compte dans le Noam Elimelech 12 mitzvot, qu'on appelle les mitzvot midiot, qu'un homme, il peut accomplir en ne faisant rien, juste en réfléchissant. Si on apprend un PL de Tehilim, à combien on peut faire? À combien on doit faire excessivement attention à notre bouche, que notre bouche, elle doit à tout prix faire attention. Le Rav, le Shevet Elevi, il va dans ce sens-là, de cette explication extraordinaire qui nous explique à propos de la Shonara. Il dit le verset Oshia Hashem. David Amelech a écrit dans le verset 2 Hashem, s'il te plaît, sauve-moi, qui gamar chassid, à cause qu'ils sont terminés les gens bien, qui parlent du bien de moi, qui passou emouni ni bene adam, car ils sont partis du monde, les gens qui ont la emouna. Que veut dire les gens qui ont la emouna? Nous dit le Shevet Halevi. Il dit, souvent vous entendez dans le monde le terme chassid. Quand on parle de chassid, alors on a souvent l'impression chassid, un gars avec des papillotes. Mais ça c'est l'extérieur. Pourquoi le Baal Shem Tov, il a appelé ses élèves chassid et il n'a pas appelé ses élèves Talmidim, le Gaon de Vilna, il avait aussi des élèves. Ça s'appelle Talmidim, Rabbi Netziv de Volozhin, Rabbi Chaim de Volozhin. Depuis toujours, on avait appelé nos élèves Talmidim. Le premier qui a appelé ses élèves des Chassidim a été le Baal Shem Tov. Quelle est la raison vraiment? Pourquoi le Baal Shem Tov il a appelé ses élèves Chassidim? La Gemara dans Masechet Baba Kama, elle nous raconte, elle nous dit plusieurs façons de faire quand vous coupez vos ongles. Qu'on va faire? La Gemara dit que les gens mauvais, ils coupent les ongles et ils laissent traîner les ongles. Pourquoi? Parce que malheureusement, une femme enceinte qui marche sur un ongle coupé, alors elle peut perdre son bébé. Alors c'est une mauvaise personne, malheureusement. Qu'est-ce qu'il fait? Il va et il met en danger les personnes. La Gemara dit les gens simples, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont, ils les jettent dans la mer, dans la toilette, de façon à ce que personne, il est endommagé avec les ongles. Mais la Gemara dit que les tzadikim, les chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont brûler les ongles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais chez les chassidim, qu'est-ce qu'on fait? On coupe les ongles, on les met dans un mouchoir, et après on brûle, et on les brûle tout. Tosfot demande la question et dit, pourquoi ça s'appelle des chassidim? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Pourquoi ceux qui brûlent les ongles, on n'a pas appelé ça des gens bien, on appelle ça des chassidim. Tosfot, il dit que les chassidim, c'est quoi? Quand, vous savez que sur les ongles, quand vous coupez vos ongles, vous devez faire netilat yadayim, laver vos mains. Parce que sur le bout des extrémités des doigts et des mains et des pieds et des cheveux, il y a l'impureté. C'est que quand on coupe les cheveux, netilat. Si vous vous rasez, netilat. Vous coupez vos ongles, netilat.
toute personne qui va enlever l'extrémité, il y a une impureté qui va lui rentrer. C'est pour ça que le matin, quand l'impureté, elle part du corps, vous lavez vos mains. Ouais, les Kohanim au Beth Amidash, il avait aussi les pieds. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient plus purs que nous. Donc l'extrémité, elle est généralement une preuve d'impureté. Alors quand les gens, ils brûlent les ongles, eh ben dans ces ongles-là, il y a une impureté. Et cette impureté-là, sur qui elle revient, elle va revenir et elle va faire mal à la personne qui va le brûler. Mais Tosfot, il dit que les gens bien, ils sont préférables et ils préfèrent avoir du mal à eux plutôt que d'avoir du mal aux autres. Donc, ça veut dire que c'est quoi un chassid d'après Tosfot ? Chassid, c'est une personne qui préfère que, même si dans le cas où elle devrait avoir du mal, mais en aucun cas, elle prendrait la chance d'avoir du mal à une autre personne. Eh bien, le Baal Shem Tov, il a dit, j'enseigne à mes élèves que s'ils ont le choix entre se faire mal ou faire mal, ils prendront plus le choix de se faire mal plutôt que de faire mal à quelqu'un. Donc le titre chassid, c'est quelque chose de supplémentaire, c'est une ma'ala. Alors que veut dire le verset quand il nous parle ici de Kigamar chassid, car il est terminé le juste, l'homme qui est chassid. Il nous dit le Shevet Alevi, il dit que la chassidoute, la personne qui s'appelle chassid, et on a parlé un peu ce matin à la yeshiva, et c'est tombé Minashamayim qu'on revient dessus. Le chassid, il est accompagné avec la emouna. C'est quoi la emouna? Souvent, quand on parle de emouna, on parle tout le monde de emouna tachem. Il nous dit, ve emouna tarte mashma. Quand on parle de emouna, il y a deux emouna, deux croyances qui arrivent. Emouna tachem amitit. Un, vraiment croire en Dieu. Il y a des gens qui disent, moi je crois en Dieu. Mais surtout, ils croient aux saints bénéfices. Ouais, combien ils vont gagner. C'est pas Emouna à Kadosh Baruch Hu. Ve Emouna ben Adam le Chavero. Et deuxième, faire confiance à son ami. Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas la confiance aux gens, on l'a dit souvent, il ne peut pas avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. La Be Eskeem ou Be Masa ou Matam chez Benem. Ton ami te donne, tu lui fais confiance, avoir cette Emouna-là. Emouna Bashem. Comment on arrive à la Emouna Kadosh Baruch Hu? Rosh Verishon et Shumtami Lifne Nav, Shak Borei Barar Shemo, Wechad, Ven Bilto, Vulevado Asa, Vosev Yasekolamas. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien sur terre sans Akadosh Baruch Hu. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne dors pas, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de travail, rien ne se fait sans Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, pas se tromper, les gens ils pensent parce qu'on doit faire la Ishtadlout, les gens ils pensent parce qu'on doit faire un effort. Alors ils pensent que c'est eux qui font. Chas v'shalom, tu fais rien. C'est seulement Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Umitoch ha'emuna ba'a midat ha'bitachon. Bien sûr, il y a deux midot qui se ressemblent. Vous vous rappelez, on avait parlé de ça durant la période du Covid, en 2019, durant les mois de Sivan, Iyar 2019. On avait parlé là-bas à propos de ce qu'on appelle Be'emet, le bitachon. Quelle est la différence entre la emouna et le bitachon? Il y a et avoir croire à Kadosh Baruch Hu et avoir confiance à Kadosh Baruch Hu. Pour pouvoir faire confiance à quelqu'un, il faut d'abord avoir la emouna en lui. Je crois que tu es une bonne personne. Et puisque je crois que tu es une bonne personne, alors je te fais confiance. Mais si quand je te vois, tu me fais peur, je ne peux pas te faire confiance. Alors l'Avdil parle avec Kadosh Baruch Hu. D'abord, tu as la emouna à Kadosh Baruch Hu. Tu sais que tout dans le monde, il fonctionne avec Kadosh Baruch Hu. Et quand tu sais maintenant que tout fonctionne à travers Akadosh Baruch Hu, alors maintenant, tu peux avoir aussi le bitachon. Et le bitachon, c'est que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu. Ki lo yazov Hashem et chassidav le'olam. Que Akadosh Baruch Hu, en aucun cas, il va t'abandonner. Akadosh Baruch Hu, il va être là pour toi à chaque moment. Ki ha'emouna ve'bitachon entere'in shelo mitparshim. On sait que la emouna et le bitachon, ce sont deux choses. Si tu as la emouna, tu as le bitachon. T'as pas le emouna, t'as pas le bitachon. T'as bitachon, t'as emouna. Ce sont deux choses séparées, mais qui sont véritablement indissociables l'un avec l'autre. Comme ça, on avait rapporté, si vous vous rappelez, dans le Ramban, dans le Sefer Emouna ou Bitachon, que le Ramban a expliqué. Emunat uman ben adam echavero. Ki mishesh lo emouna ou bitachon, chay chayim shel istabkut. La personne qui a la emouna, alors il a confiance en gens, il vit dans un monde normal. Celui qui n'a pas la emouna en Dieu,
Et celui qui n'a pas la Emouna avec son ami, il n'y a rien. Faites un business. Si vous croyez que c'est vous qui allez tout faire, alors vous vous demandez, je vais travailler à 5 heures, je vais faire à 6 heures, je vais acheter, je vais vendre, il m'a volé un client. Il y a un million de choses qui se passent. Mais si tu as la Emouna, Kodesh Baruch Hu, tu sais que toi tu es, rien ne peut t'arriver sans rien. C'est Kodesh Baruch Hu qui va décider combien tu vas gagner. La Gemara dit kol mezonotav chez la dame, ketsuvim lo miroshana vadyom akipurim. Que tout ce que tu vas gagner dans l'année, il a déjà été calculé depuis les 10 jours de pénitence. De Rosh Hashanah à Yom Kippour, Hachem y a décidé combien tu vas gagner. Là que tu travailles 12 heures, mon frère, ou tu travailles 5 heures, il n'y a pas de différence. Tu vas gagner exactement le même montant d'argent. Si tu penses que David, il a fait de l'argent, t'inquiète pas, David t'a rien volé. Hachem, il a l'argent pour David, l'argent pour Jean-Paul, pour Sylvain, pour Fernand, pour Maggie et pour toi. Chacun de vous, il peut faire l'argent. Il n'y a rien à Kadosh Baruch Hu. L'homme qui vit avec cela, il est heureux. Il sort le matin, Baruch Hashem, Shtabar Shemolahad. Il n'y a rien besoin d'avoir. Mais l'homme qui croit que c'est lui qui va avoir, qu'on va lui prendre, on lui prend, il doit faire, alors il vit une vie de tristesse toute sa vie. Omnam, miyom shepasku anche emuna. Vous savez, la Gemara dans Shabbat, elle dit. La Gemara dans Shabbat, page 119b. Écoutez qu'est-ce que la Gemara, elle dit. Depuis le jour où les gens qui croyaient en Dieu, véritablement, ils ont arrêté d'exister, alors malheureusement, tous les décrets mauvais sont tombés sur le peuple juif. Et la Gemara a dit, Amarava, la Gemara a dit, il a dit Rava, lo charva Yerushalayim, ela shepasku mimena anche emuna. Il dit, est-ce que tu sais pourquoi Jérusalem était détruite? Parce que les gens, ils commençaient à penser que c'est eux qui font Jérusalem. Mais tant et aussi longtemps qu'on savait que Jérusalem, c'est pas à nous. Jérusalem, elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Personne pouvait rentrer dans Jérusalem. Ça veut dire que le jour où tu penses que c'est toi qui fais la guerre, alors vas-y, fais la guerre. Et tu gagnes et tu perds. Mais si tu conçois que la guerre, elle t'appartient pas, c'est à Kadosh Baruch Hu qui décide qui c'est qui vit et qui c'est qui meurt. Et que toi, tu es seulement, tu es un fantassin qui fait du fantasme dans le chemin de bataille, mais véritablement, tu n'appartiens à rien et que tu es seulement un figurant sur le champ de bataille, alors automatiquement, personne ne pouvait gagner Yerushalayim. Et la Gemara, elle ramène le verset dans Yirmiya, « Shotato bechot d'urshom veraou, navedeu bikshu bechovotea, im timtseu ish, im yesh osem mishpad, mevakeshemuna veslachla. » David HaMelech, il a écrit, il a dit « Hashem, Hoshia Hashem. » David HaMelech, il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, sauve-moi, Oshia Hashem, ki gamar chassid. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il te plaît, sauve-moi, Kadosh Baruch Hu, car il n'y a plus de chassid. David HaMelech, il dit, tous les malheurs de l'homme, tu sais pourquoi ils arrivent? Ki gamar chassid, ki ish chassid amiti nikra, amita l'herba emuna. L'homme, il dit David HaMelech, que si l'homme, il veut arriver véritablement à se sauver, de toutes les difficultés. Osha Hashem. Hashem, David HaMelech, il dit, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, sauve-moi. Tu sais pourquoi? Ki gamar chassid. Le jour où j'ai l'impression que mon heure, elle est arrivée à la fin, hein? Le jour où j'arrive, que j'ai des problèmes, tu sais pourquoi tu as des problèmes? Parce que tu n'as pas de chesed. Parce que tu n'as pas de chassid. C'est quoi chassid? Chassid, c'est emuna. Emuna Hashem, be emuna ben al-chavero. Aujourd'hui, malheureusement, David HaMelech, il dit, qui passe où Emouni mi bene Adam? Tu sais qu'est-ce qui arrive dans ce bas monde? Eh ben, dans ce bas monde, nous avons perdu la Emouna. Et c'est pour ça que le verset, il écrit, Shav edaberu ish edreu, dva davar sheker, vabtachot, shav na sukalot. Aujourd'hui, malheureusement, chacun promet, chacun fait, mais à la fin, il y a personne qui arrive. Sefat chalot kol belev alev edaberu. Chacun, il ment, chacun, il raconte, chacun, il fait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais en vérité, la personne, si l'homme il veut vivre, être sauvé de tous les malheurs du monde, alors il doit être mitrazek ba'emuna. David HaMelech dit Oshia Hashem, sauve-moi Kadosh Baruch Hu. Tu sais pourquoi? Ki gamar chassid, parce que je n'ai pas été assez chassid. Et c'est quoi? Ki pasu emunim, parce que j'ai perdu ma'emuna. Mais si j'avais pas perdu ma'emuna, alors j'aurais pas eu besoin que Kadosh Baruch Hu il va nous sauver. Et le Shevet HaLevi continue. On va continuer ce qu'on a commencé à enseigner à propos dans le Rav Yaakov Meir Sherter. On s'est fait Yeshua Tessa. On a parlé de la gravité de la faute de la Shonara.
Et c'est marqué Kola mesaper lashonara. La Gemara dans Masechet Erchin. La Gemara dit là-bas dans la page 15b. La Gemara dit Kola mesaper lashonara keilu kafar baikar. La Gemara dit ce que vous savez, c'est quoi la gravité du lashonara, de la médisance. Tout celui qui fait la médisance, c'est comme si qui croit pas à Kadosh Baruch Hu. Vous imaginez ça? Un homme, comment c'est possible? Quel est le rapport a priori entre la médisance et il ne croit pas en moi? Je crois en Dieu. Baruch Hashem. Tu demandes un homme, comment ça va, Baruch Hashem? Comment tu vas, Baruch Hashem? Merci Hashem. Mais attention, ce qu'il a fait Shimon, David, Yitzhak, Tomo, Haïm, un trac, te remet toute la salade qui arrive. Waouh! Qu'est-ce qui arrive? Où elle est passée ta Emouna? Où elle est passée? La Gemara dit Kola Mesaper Hashonara, Keil ou Kafar Baikar. Tu ne crois pas à Kadosh Baruch Hu? La Gemara a dit, d'où est-ce qu'on sait? Asher amru leshonenu nagbir sefatenu itanu mi adonanu. La Gemara elle ramène ce verset, que le verset dit que malheureusement celui qui a la shonara, alors il n'y a pas de le verset 5 qu'on vient de parler. Asher amru leshonenu nagbir sefatenu mi adonanu, que celui qui dit la shonara, il n'a pas de Dieu. Comme ça que la Gemara le Talmid dans Echin dit. On va expliquer ce verset. La raison pourquoi l'homme, il dit la shonara, pourquoi l'homme, il dit du mal. Alors, dans le premier début du shiur, on a parlé que l'homme, il dit la shonara pour se défendre. Ça, c'est encore, on va dire, du la shonara honorable. Alors, quand on se sent mal, on dit la shonara. Mais en vérité, on va commencer depuis le début de l'histoire. Pourquoi il y en a un qui a commencé la shonara? Généralement, la shonara, il provient de deux raisons. Mais en vérité, c'est une raison qui se partage en deux notre tête. Il y a ce qu'on appelle kina et sina. Jalousie et la haine. Pourquoi je dis ces deux choses et une chose? Parce que en vérité, la sina, la haine, elle provient de la kina. Un homme qui est jaloux de quelqu'un, alors il finit par le haïr. Il n'y a pas longtemps, il y avait un homme qui a essayé de faire beaucoup de mal à quelqu'un. Alors, cette personne-là, il m'a demandé d'aller voir le Rav Chaim Kanievski pour lui. Donc, quand j'étais en Israël il y a 2 ans, je suis parti chez Rav Chaim Kanievski et j'ai lui raconté toute l'histoire, de façon qu'on m'avait raconté, bien sûr, de ce qui était arrivé. À la fin de la discussion, le Rav Chaim Kanievski, vous savez, il parle pas beaucoup. À la fin, il m'a dit, il y a une seule chose. Kina. Jalousie. Il m'a dit, il faut savoir que tu n'arriveras jamais à pouvoir faire la paix entre ces deux personnes. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit parce qu'en vérité, c'est pas un problème. C'est pas un il a A, l'autre il a B, toi tu as une voiture comme ça, t'en veux une comme ça. C'est rien. Il y a un qui est jaloux de l'autre. Et quand il y a la jalousie, alors automatiquement il y a la sina qui va se créer. Et en vérité, si on réfléchit 2 minutes, souvent on se demande, mais pourquoi un tel? Qu'est-ce qui arrive? La réponse, elle est simple. La réponse, elle est la jalousie. Quand il y a la jalousie qui se crée chez quelqu'un, alors malheureusement, il crée de la haine. Et cette haine-là, elle va détruire. Quand l'autre, il voit que toi, tu as quelque chose. Exemple, Baruch Hashem, t'as un gentil mari, il n'a pas un gentil mari. T'as une gentille femme, il n'a pas une gentille femme. T'as un bon enfant, il n'a pas. Tu peux rien changer. Toi, tu as Baruch Hashem, t'as été matzliach, il n'a pas été matzliach. Toi, t'es intelligent, lui, il est bête. Qu'est-ce qu'on peut faire? La vie, elle est faite comme ça. Il y a des gens riches et des gens intelligents. On ne peut pas tout avoir. Il y a des gens qui sont intelligents et pauvres, des gens qui sont riches et bêtes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça que Kadosh Baruch Hu, il fait dans le monde. Il fait de tout pour faire un monde. Ouais? Alors qu'est-ce qu'on va arriver? Mais lui, il veut pas. Lui, il veut tout prendre. Il veut l'argent, et le rave, et devenir le businessman. Il veut tout avoir. Alors malheureusement, il n'a pas de choix. Il s'est rentré dans sa tête de la haine. La jalousie qui lui amène la haine. « Veshoresh achetu she'eno ma'amin shayoshem mashamayim mashgiach al kol echad vechad la tête lo tararuilo. » Il dit, il faut savoir d'où provient la jalousie. Il dit la jalousie, elle provient d'un seul point. Que l'homme ne croit pas en Dieu. Exemple, si moi, je vois mon ami, il roule en Ferrari, et moi je commence à être jaloux, alors quand je suis jaloux, je crée de la haine pour lui. Pourquoi j'ai de la peine? Pourquoi j'ai de la jalousie? Pourquoi j'ai de la haine envers mon ami? Mais est-ce qu'un homme dans ce bas monde, il peut acheter une Ferrari sans que Kadosh Baruch Hu il veut? Est-ce qu'un homme, il peut acheter un stylo jaune qui coûte 25 sous sans que Akadosh Baruch Hu veut? Tu peux pas avoir ce stylo si c'est pas que Akadosh Baruch Hu il a décidé que tu vas l'avoir.
ça veut dire véritablement que toute personne qui a de la jalousie, c'est qui croit que toi ou que moi, nous avons quelque chose dans ce bas monde, sans que Akadosh Baruch Hu ait décidé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourra changer. Mais si tu décides que tu vas avoir ce stylo, eh ben tu vas avoir le stylo. Que tu vas au magasin, que tu vas pas au magasin, que tu vas, que c'est ouvert, le dollar store ou que le dollar store il est fermé, ce stylo il viendra à toi. Ça c'est la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que l'homme qui a la jalousie, la première chose qu'il a transgressée, c'est la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Il a, en vérité, il ne croit pas en Dieu. Il est une personne qui ne croit pas à Akadosh Baruch Hu. Veladam nogea bemuchan chavero. La Gemara a dit que personne ne peut te toucher, rien du tout. On raconte, avait un jour, un homme, il est venu en din Torah devant un Dayan, et il lui a dit, Rabbi, un tel, il a ouvert un magasin. Vous savez, d'après la halakha, ce n'est pas simple d'ouvrir un magasin identique à son ami. Exemple, si moi, je vends des chaussures, et maintenant, mon ami dans la même rue, il va venir ouvrir un magasin de chaussures. D'après la halakha, il n'a pas le droit. Pourquoi ? Ça s'appelle Hasagat Gevul. Il est interdit de venir faire quelque chose qui peut déranger la vie de l'autre. Alors il a dit, Rabbi, un tel a ouvert un magasin, ce qui est interdit, et il m'a volé ma parnassa. Le Rabbi lui a dit, qu'il a ouvert le magasin interdit, tu as raison, mais qui t'a volé la parnassa, personne ne te vole rien. Akadosh Baruch Hu décide combien tu vas gagner, et c'est pas important s'il y a un magasin ou s'il y a deux magasins. Mais non, qu'il a interdit la Torah l'a interdit, tu as raison. Mais ça n'a rien à voir avec l'autre, on ne peut pas te voler. L'homme, il doit avoir la Emouna avec cela. La Gemara a dit que toute personne qui a dit la Shonara, pourquoi il dit du mal de toi? C'est parce qu'il est jaloux. S'il est jaloux, c'est qu'il a de la haine. Et pourquoi il a eu de la haine envers toi? C'est parce qu'en vérité, il a été jaloux. Et la jalousie, elle est venue pourquoi? Parce qu'il a omis de se rappeler qu'il y avait un patron sur cette terre. Et que tu aurais eu ces lunettes, cette kippa, cette barbe et ces oreilles, que tu sois à Montréal, en Chine ou au Japon, eh bien tu les aurais eu. Ça n'a rien changé. Iné, malheureusement, avant Arabim, les péchés d'aujourd'hui, on voit aujourd'hui, on témoigne combien des gens se bagarrent, des frères, des sœurs, des amis, de tout ce que vous voulez. Ouais, c'est devenu une coutume mauvaise. Ouais, malheureusement, chez Kol Micheno Mekabel Ashkafat Yahid Ochug, Areu Nirda Fat Savaro. Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le Rav, le Shevet Alevi, c'était le grand Bayam de Bnei Brak qui est mort il y a quelques années. Il avait une particularité. Aujourd'hui, et si vous faites attention à ça, juste regardez, je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas un complotiste contre les. Comment on appelle ça? Contre les vaccins. Chacun est libre de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner. Mais il y a une chose que je peux dire contre les anti-vaccins. Vous ne voulez pas vous faire vacciner? Vous ne faites pas vacciner. Pas mon problème. Vous voulez vivre en prison? Vivez en prison. Ça ne me dérange pas. Mais ils ne nous laissent pas vivre. Est-ce que vous savez le nombre de personnes qui m'appellent? Rav Krimizi, vous faites des vaccins, vous faites des vaccins, c'est dangereux. Je me dis, je ne comprends pas. Est-ce que moi, je vous appelle pour vous dire de faire le vaccin? Alors, pourquoi vous m'appelez de ne pas faire le vaccin? Ils refusent qu'on a un droit. Ils refusent de nous donner la liberté. On a une voisine à côté de nous. Elle rend fou tout le monde parce qu'elle ne veut pas faire son vaccin. J'ai quelqu'un de ma famille de très proche. Elle rend fou tous les jours, 50 postes, le vaccin, c'est dangereux. Et là, j'ai dit, ça, c'est la plus grande preuve que leur théorie, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à accepter qu'il y a deux opinions. Une opinion qui fait, une opinion qui ne fait pas. Et le Rav, Shevet Alevi, il dit, vous voulez savoir quelle est la preuve de la personne qui n'est pas un ma'amin? Vous voulez savoir la preuve d'une personne qui est jalouse? Vous voulez savoir de la preuve d'une personne qui a de la haine en lui? Il dit, c'est simple. À partir du moment, et écoutez bien, mesdames et messieurs, ce que vous écoutez ce soir, ne voulez pas l'écouter souvent dans votre vie. Et ça valait la peine d'être là ce soir. Il dit que à partir du moment où les gens veulent vous forcer à avoir leur pensée et que vous n'avez plus le droit d'avoir votre pensée personnelle, ça c'est la preuve que ces personnes sont malades de Emouna, malades de jalousie,
malade de haine. Et toutes les guerres, et toutes les machloktot qui arrivent dans les familles, dans les amis, dans les synagogues, elles sont basées sur ce point. Qu'il y a une personne qui veut forcer le reste à suivre. Et si vous me croyez pas, je vais vous le lire en hébreu, de façon à ce que vous allez bien écouter ce que je vais dire. Et il dit, Shekol mi she'eno mekabel ashkafat yachid, tout celui qui n'arrive pas à penser la vision de un, ochug, ou bien une façon de vivre, areu nirdaf al savaro, alors on vient et on va le prendre et on va le forcer, ve shofrim damo, bekam amine midnim, alors on va lui faire couler son sang avec toutes sortes de lachonara. Lachonara, n'oubliez pas, c'est pas faux. Lachonara, c'est vrai. Seulement, qui t'a permis de le dire? C'est quoi lachonara? Lachonara, j'ai mangé sans bracha. C'est vrai. Mais qui vous permet d'aller raconter à toute la ville de Montréal que j'ai mangé sans bracha? Est-ce qu'il est permis de raconter? En quoi il est permis de raconter? Et tout ça, pourquoi tu vas raconter? Parce que toi, tu veux nommer un président, parce que toi, tu veux nommer un maire, parce que toi, tu as envie de faire quelque chose et de monter je sais pas quoi, alors automatiquement, tu as le droit. Mais qui te permet de faire tout ça? Sur quel droit? Il dit le Rachev et Lévi, ce livre, il a été écrit il y a plus de 40 ans. Et il dit que la maladie d'aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui, c'est qu'on veut nous tous nous forcer sur une pensée. Veshochechim, et les gens, ils oublient. Un mot, c'est qui le boss? Mi Adonanu, Shezeratzon Hashem Barar, Shiuyu Deot Shonot, Veashkafot Shonot Barola. Vous savez, la plus grande des brachas qu'Hashem il a donné sur terre, c'est qu'une seule chose, c'est que les goûts et les couleurs ne sont pas les mêmes. Imaginez-vous, tout le monde y aimerait les bananes, mais il n'y aurait plus de bananes sur terre. Akadosh Baruch Hu il a fait qu'un aime les bananes, un il aime les poires, un il aime les pommes. Alors automatiquement, chacun il va planter d'autres fruits pour que chacun il puisse manger. Pareil, moi j'aime le moussard, l'autre il aime la gemara, l'autre il aime la halakha, l'homme aime donner le cours le soir, elle aime le cours le matin, il aime le marché à 5h du matin, elle aime faire du gil le soir. Hachem il a créé le monde, la plus grande bracha du monde, c'est que nous sommes différents. Et ceux qui veulent nous faire vivre un judaïsme de communisme, ceux qui veulent nous faire vivre une vie de communisme qu'il y a une seule pensée, ça a apporté quoi le communisme? Le communisme, ça a apporté le socialisme, ça a apporté la mort de millions de personnes. 50 millions de personnes ont été tuées en Russie sous le communisme. Sous quoi? Sous le prétexte qu'on va tous être égal. Sous le prétexte de l'égalité. Eh bien, c'est exactement ça qu'il nous dit ici. Il y a des gens qui aiment la chassidoute, qui sont séfarades, qui sont ashkenazes, il y a des gens qui sont moitié-moitié, il y a des gens qui sont je sais pas quoi, c'est pas grave. Tant que tu n'as la Torah et que tu gardes les 613 mitzvot, sartre comme Malik, Tunisien, Marocain, Algérien, c'est quoi ton problème? Ve un ishum safek, sheze echa mi me'akeve geulatenu upeudat nafshenu. Et il dit le Rav Shalom, le Shevet Alevi, il dit, tu veux savoir pourquoi la Géoula n'est pas là? Tu veux savoir pourquoi ma chère ne vient pas? C'est parce que chacun de nous, il veut nous forcer à penser l'un comme l'autre. Pourquoi? La Torah, elle est grande. Et la Torah, surtout, regardez tous les livres qu'il y a. La Torah, elle est grande, plus grande que les océans. On a le pouvoir d'apprendre chacun de nous. Chez Sibat, Sinatrinam, Shehaya, Hagorem, la Khurban, Baïcheni, Adaïn, Meraket, Beneinu. Et il dit que la. Il dit que la vie de la personne, elle est malheureusement la haine du second temple, qu'il y avait certaines personnes qui ont voulu forcer certaines choses et ils sont arrivés à nous faire arriver cela. Où est-ce que nous? En omer achev ou malvishim akol bematé ke ilu leshem shamaim. Et je vais vous dire une chose. Et il termine. Quand les gens ils viennent vous voir sous le drapeau du Lechem Shamaim. Mais moi, tu sais, je veux rien, je veux pour ton bien. Hein. C'est pour ton bien que je parle. Il dit le Shevet Alevi, le Rabbi Shimon Alevi Vosner, le jour où on te parle avec en disant moi, je veux pour ton bien et que moi, je viens te parler au nom de Dieu,
Et là, il faut que tu commences à avoir peur. Parce que les gens qui vous parlent au nom de Dieu, ça devient grave. On a le droit d'être différent. La Torah nous permet d'être différent. La Torah nous a donné Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Shiv'im Zekenim, 12 tribus. Chacun avait une façon différente d'exister. Un la Gemara, un la Halakha, un homme Moussar, ainsi, un la. Chacun de nous. Tu veux le vaccin, tu veux pas le vaccin. C'est pas grave. Il y a deux rabbins. Un Rav Chaim, qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire le vaccin. Et je sais pas quel rabbin, il fait pas le vaccin. Je prends ton rat, fais ce que tu veux, ça me dérange pas. Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tant et aussi longtemps que t'embêtes personne. Le jour où tu viens et que tu commences à harceler les gens, sache que t'as un problème. C'est que tu veux convaincre les gens de ce que tu fais. Et ça, ça devient dangereux pour pouvoir la société qu'elle arrive. Et je terminerai, il reste encore quelques minutes, malgré qu'en vérité j'ai beaucoup à dire, que je pourrais parler encore des heures et des heures et des heures, mais j'aimerais juste terminer sur une note positive. Le pasouk, Chet dit, Ata Hashem, Tishmerem, Titsenu minador azol leola, s'il te plaît, que de Baruch Hu, sauve-nous de cette génération. J'aimerais dire juste une seule chose. Que d'abord, comment on peut s'en sortir de beaucoup de choses de ce monde de fou? Principalement, je vais vous dire, mesdames et messieurs, on doit bien sûr s'en sortir nous-mêmes, mais Baruch HaShem, les gens qui viennent au cours, on n'est plus très jeunes. Quand j'ai commencé le cours, alors on avait 25 ans, même plus. Aujourd'hui, on a 25 ans de plus. Alors, les gens, on a tous vieilli, la barbe elle a vieilli, les gens ils ont vieilli. Quand j'ai commencé le cours, il n'y avait pas une femme qui se couvrait la tête. Aujourd'hui, Baruch HaShem, tout le monde se couvre la tête. Ishtabar Shem Olad, les gens en ont avancé. Pour qui aujourd'hui on est là? On est là aujourd'hui ici pour nos enfants. Et comment on peut donner à nos enfants la force nécessaire de la Emouna, de la confiance, d'avoir en eux ce kohar de pouvoir réfléchir, de ne pas être un follower, de ne pas être une personne qui va écouter tout le monde, de pas une personne qui va être un pion, que tu vas être, ah, oui papa, maman, maman, on veut pas des pions, on veut pas des rebelles non plus, on veut pouvoir leur parler, on veut pouvoir qu'ils écoutent, on veut pouvoir qu'ils soient arrivés. Il dit, dans les Sfarim, la Gemara raconte que Rava, il allait dans les magasins, ses enfants ils aimaient jouer, il leur achetait, comme ça que la Gemara dans Masechet Yoma 78b, elle dit, que Rava il allait acheter des ustensiles qui étaient un peu endommagés pour que ses enfants les cassent parce qu'ils aimaient casser les affaires. Rava, il est allé dans leur chemin. L'homme, il doit savoir que pour pouvoir que ses enfants, il écoutent, il faut créer une atmosphère positive. Il faut créer dans la maison une atmosphère où les enfants sont heureux. Il faut penser bien sûr à leur spiritualité. Mais pour pouvoir penser à leur spiritualité, ça passe obligatoirement à travers aussi de penser à eux dans la matérialité. Faut que tu aies une belle cravate, faut que tu aies une belle robe, faut que tu aies une belle paire de chaussures. Le Yeshua est ça. Il y a bien comme Mir Sherteridim que toute personne qui ne s'occupe pas de l'extérieur, du matériel de ses enfants, ne pourra jamais arriver à toucher ses enfants dans la spiritualité. Et aussi, créer une ambiance à la maison. Il faut que la maison, les enfants, il dit, ils ont envie de venir. Un enfant, il n'a rien à faire, il faut qu'il court à la maison. Qu'il a 20 ans, 30 ans, qu'il ne dit pas, ah, c'est les vacances, je vais partir en Chine, partir au Japon. Pourquoi il n'est pas à la maison? Pourquoi ton fils, il veut partir de la maison? Une personne qui se sauve de la maison, c'est que tu as un problème à la maison. L'homme, pour qu'il puisse sauver sa famille, pour qu'il puisse sauver ses enfants, il a besoin que sa maison, elle soit un havre de paix. Si votre maison, elle n'a pas un havre de feu, il ne pourra pas avoir. Et il dit ces trois mots. Et il dit, ki imashiya babait imara. Parce que s'il restait à la maison, c'est amer. Azem mechapsim tamid manos meabait. Ils vont toujours trouver à se sauver de la maison. Umi yucha ladat echad yimtseu margol nafsham. Comment ils vont trouver quelque chose qui va calmer leur cœur? La drogue, les bêtises, les averotes. Comment la personne, il doit essayer de toujours donner un conseil, de toujours de participer avec son fils dans tout pour le louanger et essayer par tous les moyens
que son fils, il va trouver un havre de paix dans sa maison. Et on terminera avec le dernier pasouk. On me dit, je coupe énormément, mais je vous remets à terminer avec cela. C'est marqué dans le pasouk tête. « Sa vivre et shaymit halachoun, autour des mécréants, ils iront, kerum zulat ibn Adam. » La Gemara dit, c'est quoi kerum zulat ibn Adam? Quelque chose que les gens font pas attention, mais véritablement, ils dépendent de toute l'humanité. Et la Gemara dit, c'est quoi? Zutefila. La Gemara dans Masechet Berachot Davav, elle dit, Elu edvarim haom di meru moshelolam. Voici les choses qui sont dans, que le monde, il tient sur eux. Ou bene Adam et Zalzelim Bayam. Et les gens, ils les négligent. Et la Gemara dit, c'est quoi? C'est Atefila. Un de nos grands maîtres, Rabbi Baruch de Mejibouj, qui était le gendre et le talmid du Baal Shem Tov. Il dit, vous savez pourquoi les gens, ils ne prient pas? Il dit, mais tout le monde, il aime prier. Il dit, seulement le problème, c'est que les gens, ils prient un jour, deux jours, trois jours, une semaine, un mois. Ils prient, je veux être riche, je veux la santé, je veux me marier, je veux gagner l'auto. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il fait? Chacun de nous, il prie avec ce qu'il a envie. Mais ça ne marche pas. À la fin, il dit, mais à quoi sert de prier? La prière, elle ne sert à rien. Rabbi, à Kadosh Baruch Hu, je te prie, ça fait 20 ans. Tu n'as pas répondu. Alors pourquoi tu veux que je continue à prier? Et il dit, et c'est pour cela que les gens, malheureusement, ils arrêtent de prier. Il dit, mais en vérité, Vekol zerag biglal he'ede yediato, shetfidato nitkabla kva bameromim. Il dit, en vérité, l'homme, il ne sait pas qu'en vérité, Hachem, il prend ta tefila. Et il a pris, et dans les mondes d'en haut, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ta tefila. Tu n'as pas la emouna en ta prière. On a parlé souvent d'avoir la emouna en soi-même aussi, d'avoir la emouna en Hachem, l'avoir avec des amis, et d'avoir la emouna entre nous. Et les gens, ils ne savent pas que grâce à ta tefila, Akadosh Baruch Hu, il peut nourrir l'univers. Et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils perdent. Et que l'homme, il doit savoir qu'en vérité, chaque fois que nous prions, il n'existe pas une tefila que Akadosh Baruch Hu, une tefila qui sort du cœur, que Hachem n'a pas écouté. Et que des fois, c'est vrai que Hachem ne t'a pas écouté, c'est parce que dans le ciel, on a étudié tes tefila pour autre chose. Tu as prié Hachem de sauver ton fils. Peut-être que Akadosh Baruch Hu, il avait besoin de cette tefila pour sauver un homme qui est en train de se noyer. Peut-être que Akadosh Baruch Hu a donné cette tefila, la panassa pour nourrir un homme. Tu ne sais pas. Mais l'homme, il doit avoir la emouna. Vaikam, shetzichi mitchazek meod ou leamin beemouna shelema, shiachol ifol betfilato. L'homme, il doit avoir la emouna, comme David Amelech, il a écrit au début. Il faut savoir qu'on peut tout arriver avec la prière. Vesichato beno le benkono, kol machin chatzne. L'homme, David Amelech, il a dit au début, tout vient par le manque de emouna. Tout finit par le manque de emouna. Toute chose que nous avons et nous voulons réussir, elle est basée sur un seul mot. Emouna, emouna, emouna. Emouna au travail, emouna avec la famille. Si un homme qui a la emouna, alors il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il ne voit pas le problème. Il n'a pas de jalousie, il n'a pas de haine, il n'a pas d'ennemi, il n'arrête pas de prier. Et quand il n'arrête pas de prier, alors automatiquement, il est en connexion avec Dieu. Et quand l'homme, il est conscient qu'il est en connexion totale avec Kadosh Baruch Hu, alors à Kadosh Baruch Hu, il lui donnera Shefa, Bracha, Ve'atzlacha. Et même si je ne le vois pas, je dois être mamine que ce que je fais, il est précieux aux yeux de Kadosh Baruch Hu. Que Kadosh Baruch Hu, il fasse que notre émouna se renforce et qu'on n'a pas besoin et qu'on n'a jamais l'envie d'être jaloux de personne, qu'on n'a jamais envie d'haïr personne. Qu'on a envie d'aimer chaque personne, qu'on veut toujours se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu, qu'on a la emouna entre nous et que nos prières sont exaucées et qu'ensemble, Bimera Biamenu, on puisse voir très bientôt accepter les autres. Et quand on acceptera les autres, alors on verra Mashiach Tzidkenu, Bimera Biamenu, Amen.